Turu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la FAQ. Parce qu'en ce moment, sous mes vidéos et surtout sur mon compte Instagram, d'ailleurs, si t'es pas abonné, bah, il est dans la barre d'infos si tu veux y aller. Et bah, je reçois plein de questions. Et du coup, bah, aujourd'hui, je réponds à tout. Donc, du coup, il y a 16 questions. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, la première question, c'est à qui appartient Harmony? Alors, Harmony, déjà, elle n'appartient absolument pas à moi. Moi, j'ai aucun choix à moi. Harmony. Elle appartient à une dame en fait qui je l'ai vue qu'une ou deux fois dans toute ma vie et que je connais vraiment pas, alors je pourrais vraiment pas vous en dire plus, mais elle appartient pas à moi. 2. À qui appartiennent les installations? Alors en fait les installations, pareil, elles appartiennent pas du tout à moi, mais en fait j'ai strictement rien. Elles appartiennent à mon voisin. 3. Pekas sont-ils à toi? Alors Pekas, non, ils sont vraiment pas à moi, mais là par contre ça va être un peu plus compliqué de vous expliquer parce qu'en fait Pek appartient à l'ami de mon voisin où il y a les installations et As lui appartient à l'ami de mon voisin, bah à l'ami de mon voisin. C'est vraiment compliqué, je pense que vous n'aurez pas compris, mais déjà c'est clair et net, ils n'appartiennent pas à moi et c'est pour ça que par exemple l'année dernière il y avait Pek et Thanos. Donc, Thanos c'est le cheval blanc que vous voyez dans mon intro. Et que cette année du coup il y avait As, donc lui par contre vous l'avez vu bah, pendant tout l'été. Et à mon avis l'année prochaine, et c'est même sûr, normalement ça sera ça sera pas As qui viendra, ça sera un autre petit cheval qui est noir à mes souvenirs, je me souviens absolument pas de son prénom et j'ai pas de photo donc je pourrais pas vous montrer, mais ça sera pas As. En fait Peg viendra normalement tous les étés sauf si un jour elle décide de plus les amener. Mais ça sera jamais le même cheval normalement qui viendra les aider. Donc à chaque fois en fait moi je changerai de cheval. Ensuite 4, tu as combien de tapis? Alors j'ai 4 tapis, j'ai un rouge de chez Fuganza, le normal, le tout simple. Un bordeaux pareil qui vient de chez Fuganza, à Decathlon. Le noir et blanc de Harcourt que j'ai acheté Equitalion. Et il m'en manque un, le bleu avec un petit drapeau de France sur le côté qui vient lui par contre de chez Kramer je crois. 5. Depuis quand connais-tu Harmony? Alors j'ai regardé en fonction des premières photos que j'avais prises de jour où elle est arrivée. Normalement ça fait à peu près un an que je connais Harmony, donc quand vous verrez cette vidéo ça fait un peu plus d'un an, mais vraiment ça joue à quelques semaines près. 6. Combien as-tu de selles? Alors j'ai 2 selles. En fait on m'a offert les deux. La première c'était parce que justement chez mon voisin, avant en fait il n'y avait pas de chevaux. D'ailleurs je voulais vous demander si ça vous disait une vidéo où je vous explique un peu tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, on va dire. Je sais pas comment vous expliquer. Comment je suis arrivée pour aller m'occuper des chevaux que mon voisin se fait louer, on va dire. Et voilà, donc si vous voulez une petite vidéo là-dessus, parce que là c'est vraiment pas compliqué à vous expliquer comme ça, et ben n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc du coup je reviens à mes selles. Donc du coup en fait donc avant comme je vous l'ai dit il n'y avait pas de chevaux. Je faisais les cuirs du coup parce que presque tous les cuirs qu'on utilise, plus trop maintenant parce que maintenant on en a acheté pas mal. En fait avant ils appartenaient vraiment à mon voisin. J'arrive pas du tout à parler, c'est horrible, désolée. Du coup un jour, au lieu de me donner de l'argent parce que normalement ils me payaient en fait en fonction de mes heures, mais ça c'est pas grave. Un jour en fait ils m'ont offert une selle, d'ailleurs je le remercierai jamais assez, alors merci beaucoup. La deuxième selle, du coup, elle, ça fait peu de temps que je l'ai, c'est ma tata. En fait, quand j'étais sur As, comme vous l'avez vu normalement dans ma rétrospective de l'année 2018, je vous réexplique comme quoi au début que je montais As, j'en avais pas presque peur en balade parce qu'il me faisait. Il s'arrêtait, il se levait, il se tournait et hop, il disait je retourne à la maison, je veux pas, j'ai peur. Et en fait, quand j'avais ma selle qui avait des petits quartiers tout simples, j'étais pas trop sereine. Un jour, ma tata m'a prêté une de ses selles. En fait, je sais pas comment l'expliquer, elle est vraiment très bizarre cette selle. Et non, je crois que j'ai vraiment pas de photos là-dessus, donc je suis désolée. Sinon, il faut remonter un peu plus dans mes vidéos. Ou si je trouve une vidéo, je vous la mettrai après. Mais je vous promets vraiment rien.
En fait, elle est assez bizarre, mais elle a un genre de pousquin devant. Et bah, en fait, pour moi, elle me sécurisait beaucoup plus. Et du coup, bah, ma tata, en fait, elle me l'a offerte et je la remercierai jamais assez. Merci, merci, merci beaucoup, tata, si tu regardes cette vidéo. Du coup, elle me l'a offerte pour mon anniversaire et pour Noël. Et du coup, bah, je suis trop, trop, trop contente. Alors, ensuite, 7. Qui est ton cheval préféré? Alors, de tous les chevaux, c'est sûr et certain que ça sera Harmonie. Parce qu'Harmonie, je sais pas, c'est mon petit bébé. En même temps, c'est ma petite sœur. C'est Harmonie, c'est vraiment la chouchoute, ma chouchoute chouchoute. Après, à mon club, j'aimais beaucoup Coccinelle et Delphi que vous avez vu pour les challenges. Mais déjà, alors, faut savoir que Delphi, elle a quitté le club ce week-end, bah, le week-end dernier. Et du coup, bah, elle est plus là. Et après, sinon, j'ai pas forcément préféré à mon club encore. Et après, entre Peck, As, Thanos, j'ai absolument pas de préféré. Je les aime tous autant pareil. Et bah voilà. Ensuite, 8. Depuis combien de temps fais-tu de l'équitation? Alors, ça fait 10 ans que je fais de l'équitation et 7 ans en club. 7 ou 8 ans. 9. Quel niveau as-tu? Alors, ça, je me suis beaucoup trompée quand des fois je faisais des vidéos et en fonction de ce qui était écrit dans ma barre d'infos. Et je me souviens d'ailleurs qu'il y avait une fille qui m'avait fait la réflexion, mais gentiment. Et donc alors en fait, sur le site de la FFE, j'ai mon galop 2. Mais en fait, j'ai normalement essayé de passer mon galop 3, sauf que c'est une histoire très compliquée que je vais pas vous expliquer. Mais au final, en fait, je n'ai pas eu mon galop 3, sauf la théorie. Mais du coup, après, bah, cette année, du coup, j'ai changé de club et la dame de ce club, bah, ma coach, m'a dit que fin d'été, elle me ferait passer mon galop 4 et du coup que j'aurai mon 3 sûr et que si j'y arrivais pas mon galop 4, ben, j'aurais pas mon galop 4, mais que c'est sûr j'aurai mon galop 3. Donc normalement j'ai un niveau galop 3, mais c'est pas écrit vraiment sur le site de la FFE, comme quoi j'ai galop 3. Ensuite, 10. Où montes-tu? Alors je monte dans un club qui habite pas du tout loin de chez moi. 11. Tu préfères qui entre Thanos et As? Alors cette question, je sais plus du tout qu'est-ce qui me l'a posée, mais elle m'a vraiment, bah, je sais pas, je trouvais ça trop bizarre. J'ai absolument pas de préféré dans les deux. Déjà, c'est les opposés. Thanos, c'est vraiment un cheval qui a peur de rien ou presque, qui fonce. Et que As, lui, par contre, c'est Monsieur j'ai peur de tout, je fais demi-tour. Et j'aime tous les deux leur caractère. Et ben, je les aime vraiment pareil tous les deux. 12. Veux-tu toujours continuer ta chaîne? Alors celle-là aussi, cette question, elle m'a fait tellement vraiment bizarre. Bien sûr que oui, je veux continuer ma chaîne YouTube, surtout que là, ce week-end, bah, le jour où je vous filme cette vidéo, bah, hier, on a atteint les 160 abonnés. Alors merci, merci, merci énormément. C'est juste un truc de fou. Je suis aux anges. Mais je vous avoue qu'il y a des jours où j'ai pas forcément envie de faire mes montages ou faire mes vidéos. Mais c'est pas grave, je me dis, bah, t'attends quelques jours. Si dans quelques jours t'as envie, tu filmes une vidéo. Si t'as pas envie, bah, c'est pas grave, il n'y aura pas de vidéo ce week-end. Parce que pour moi, les vidéos YouTube, ça m'apporte rien dans la vie. Et bah, pour moi, du coup, c'est juste un loisir. Et si un jour j'ai pas envie et que vous avez pas une vidéo ce week-end, c'est ou que je savais vraiment pas quoi vous faire, ou que j'en avais tout simplement pas l'envie. Et pour moi, bah, c'est important que si j'en ai pas envie, je m'oblige pas à y faire parce que sinon, à force, je vais m'agacer. Et je sais que ça me plaira plus. Alors, bah voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc, bien sûr que oui, je vais toujours continuer ma chaîne. 13. Pensais-tu que tu aurais tant d'abonnés? Ce nombre d'abonnés, pardon. Alors, non, absolument pas. Je crois que ça fait 8 ou 9 mois que j'ai commencé pardon, la chaîne. Et bah, je me serais pas dit qu'en si peu de temps, on va dire, j'avais déjà 160 abonnés. Alors c'est un truc de oufissime, je vous remercie énormément. Après en fait, surtout, je vous l'avoue, ce qui m'a fait énormément augmenter en abonnés d'un seul coup, c'est le haul de Equitalion. On est presque à 3000 vues, on a 2940 et des bananes, on a regardé encore hier. On a atteint les 100 likes d'ailleurs sur cette vidéo. Et ben, en fait, elle a été vue et c'est elle qui m'a ramené vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à 160, je pense. Alors, franchement, je vous remercie énormément. Et ben, voilà. Alors, 14. Pourquoi as-tu voulu faire de l'équitation? Alors,
Déjà, en fait, j'ai pas, je montais pendant que ma mamie faisait le ménage, en fait, quand j'étais toute petite, elle faisait le ménage en fait dans un hara et moi je montais pendant qu'elle elle travaillait. Et en fait, donc déjà depuis le début, bah, ça m'avait plu. Et après, en fait, j'ai voulu, bah, ma maman m'a inscrit dans un club avec ma meilleure amie, on va dire. Donc c'est Arwen de la chaîne Mon Poney Alsan, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est dans la barre d'infos. Et du coup, bah, après, c'est comme ça que j'ai commencé l'équitation. Et puis, bah, ça fait 7 ou 8 ans, je sais plus à peu près. Et ben bah, voilà, j'ai jamais arrêté. Voilà. 15. Quelle est ta discipline préférée? Alors, c'est le saut. Bah, en fait, disons que dans mon ancien club, je sautais jamais ou presque. Si on sautait 4 fois par an, et encore, je suis vraiment sympa, on sautait vraiment pas. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je préfère vraiment le saut. Vu que dans mon nouveau club, bah, on en fait une fois, une fois par, on fait une semaine du plat, une semaine du saut, normalement. Donc, du coup, bah, je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je préfère le saut. Et puis, je sais pas, j'adore l'adrénaline et tout. Bah, voilà, j'adore le saut. Et 16e et dernière question, pourquoi as-tu décidé de faire ta chaîne YouTube? Alors, je crois que ça, je l'avais dit dans ma première, toute première vidéo. J'avais décidé de faire ma chaîne YouTube, du coup, au tout début, c'était parce que je voulais partager toutes mes aventures avec les chevaux que je m'occupais, tout ça, comment ça se passait. Mais aujourd'hui, j'ai une autre visualisation de pourquoi je veux toujours continuer ma chaîne YouTube. Bah déjà, c'est parce que c'est vraiment un loisir qui me plaît beaucoup, de vous filmer des vidéos, faire le montage, j'aime toujours autant. Après, j'aime bien aussi faire des vidéos parce que déjà, je remarque tous les progrès qu'on a fait avec Harmonie cette année. Bah déjà, dans mes vidéos, j'y remarque, vous pas spécialement, mais moi, je vois qu'il y a beaucoup d'efforts. Bah, je vois elle s'est vraiment améliorée. Et ben voilà, en fait, c'est surtout ça en grosse partie, c'est que je vois vraiment toute mon évolution et ça me fait vraiment super plaisir. Même dans mes vidéos, si vous allez dans mes premières vidéos, moi je sais qu'il y a des premières vidéos de moi que je n'aime vraiment pas, que je trouve horribles et que j'ai honte de laisser sur YouTube. Mais moi je trouve que c'est important de laisser mes vidéos d'avant que aujourd'hui je n'aime pas. Parce que au moins ça permet, si les gens, bon, je pense pas qu'ils vont s'enquiquiner à regarder toutes mes vidéos parce que je crois qu'on est presque à la 50e vidéo postée sur la chaîne. Mais bah, je sais que j'ai déjà fait des efforts. Bah, je trouve qu'aujourd'hui c'est quand même mieux qu'avant les vidéos. Donc du coup, bah, pour ça, je suis assez fière. Donc voilà, en fait, c'est vraiment pour voir l'évolution et tout plein de choses comme ça que je veux vraiment continuer ma chaîne YouTube. Et puis bah, maintenant, vous êtes là, on est 160. Et c'est un truc de ouf. Alors ça me pousse encore plus à faire plein de vidéos. Du coup voilà, bah, j'espère que j'aurai répondu à un maximum de questions que vous m'avez posées. Si t'en as d'autres, bah, t'hésite pas à les poser en commentaire. Puis moi je te fais plein de gros bisous. Salut les petits loulous!